Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va parler des Flames de Calgary qui se sont fait éliminer par les Stars de Dallas lors des pré-playoffs. Les Flames de Calgary qui ont été, à mon avis, un peu décevants la saison dernière. Il y a beaucoup de départs, beaucoup d'arrivées comme vous pouvez le voir. Surtout, l'arrivée principale pour cette équipe, c'est Jacob Markstrom qui vient de signer un contrat de 6 ans pour 6 millions par année. Markstrom qui a très bien fait avec les Canucks de Vancouver, un gardien d'avenir donc. Et c'était vraiment un point négatif dans cette équipe des Flames de Calgary. Markstrom, c'est 2,75 buts par match. Donc vraiment un bon gardien. Markstrom qui va donc solidifier cette défense, le dernier défenseur, le gardien. Une défense qui a été assez décevante, surtout Mike Giordano, le vétéran de cette défense, qui avait fait vraiment une saison 2018-2019 exceptionnelle et qui a été très décevant cette année, seulement 30 points. Bon, il faut dire qu'il a 37 ans, à mon avis, il est sur la pente descendante. En plus, son coéquipier, le joueur avec lequel il avait l'habitude de jouer, TJ Brody, lui, est parti. En même temps, on a pas mal de jeunes joueurs qui peuvent faire leur place du côté de la défense chez les Flames. On pense bien sûr à Noah Hanafin, qui avait été échangé des Hurricanes de la Caroline. 30 points lui aussi cette saison. On pense à Rasmus Andersson, 24 ans, et au Finlandais, au jeune Finlandais de 22 ans, Juuso Välimäki, qui joue en ce moment à Ilves et qui joue très bien et qui fait une très belle saison à Ilves, ce début de saison dans la Liga, donc dans le championnat finlandais. Du côté de la défense, ça peut être vraiment pas mal du côté des Flames de Calgary. Et du côté de l'attaque, il va vraiment falloir rebondir. Franchement, on avait vraiment des très bons joueurs. On pense bien sûr à Johnny Hockey-Gaudreau et à sa ligne. Et ben, ça a été très décevant la saison dernière. Johnny Gaudreau, 58 points. Sean Monahan, 48 points. Sean Monahan, qui à mon avis est très surcoté, il devrait descendre peut-être sur la troisième ligne et on devrait mettre quelqu'un d'autre avec Johnny Gaudreau. Elias Lindholm, 54 points. Cette première ligne a été décevante lors des playoffs. Mais attention, là aussi, du côté des autres joueurs, on en a d'autres qui sortent et qui le font très bien. On pense bien sûr à la peste, à la nouvelle peste de la NHL, Matthew Tkachuk, 61 points. D'ailleurs, c'est lui qui a le meilleur pointage dans cette équipe. Il avait été couplé avec un jeune au nom très italien, Andrew Mangiapane, qui a marqué 32 points et qui a fait très bien. Et je pense qu'il va encore s'améliorer cette saison. On pense aussi à Dylan Dubb. On peut avoir de l'espoir du côté des Flames, du côté de cette jeunesse qui peut amener des choses très intéressantes. Et en plus, si les Johnny Gaudreau, les Elias Lindholm repartent, et ben ça peut être une année très intéressante. Il faut savoir que les Flames de Calgary, c'est une année oui, une année non, une année oui, une année non. On va dire que la saison dernière, c'était l'année non. Et donc, ça devrait être une année oui. Et on passe donc tout de suite à mes prédictions. Mes prédictions pour les Flames de Calgary. Donc, on pense qu'ils seront dans cette division canadienne, si ça n'a pas évolué d'ici là. Et s'ils sont dans cette division canadienne, je pense qu'ils peuvent tirer leur épingle du jeu et se qualifier pour les playoffs. J'aime bien cette équipe des Flames et je pense qu'ils ont une grosse possibilité avec ces bons joueurs et surtout leur nouveau gardien qui est très bon de pouvoir se qualifier pour les playoffs. Comme on a pris l'habitude, je vous montre le maillot reverse d'Adidas pour les Flames de Calgary avec le cheval qui crache des flammes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à bientôt. On parlera des Hurricanes de la Caroline. Allez, ciao!